Départ du prix Elgin Equestrian, course plate sur la distance de 1000 mètres avec Brunelogue Corne et Victor Ferland qui s'est tout de suite emparé du commandement Midnight Affair qui vient librement dans son sillage juste devant Jubilé des Vallons qui précède Vénus de la Milière qui n'est pas loin du tout. On est au centre du peloton actuellement avec I Am The Boss. It's a Boy est à l'arrière-garde juste devant Justin des Tunnels. Les concurrents qui sont en file indienne et qui vont passer devant les tribunes dans quelques instants et pas de changement en tête avec Midnight Affair qui a l'avantage de 3 longueurs d'avance avec Margot Moisson. Avec dans son sillage Brunelogue Corne, Victor Ferland juste devant Jubilé des Vallons qui précède Vénus de la Milière. On est à l'extérieur avec l'Aclazac Salut de Rose Del Black TV qui vient également au centre. I Am The Boss, It's a Boy, juste un des tunnels. Kazakh Gros Rouge qui permet la marche du peloton actuellement. Les concurrents sont dans le tournant et abordent le début de la ligne opposée avec Midnight Fer qui a toujours librement l'avantage et qui est ancré au commandement avec Margot Moisson. On vient à sa hauteur côté corps de lui mettre la pression maintenant avec Brunelogue Corne, avec Jubilé des Vallons qui est en troisième position. It's a Boy se fait discret mais file les leaders en quatrième position bien qu'elle est dans le sillage et dans leur dos actuellement avec Rose Del Black Lily qui est à l'extérieur. Les autres sont un petit peu plus loin à l'image de I Am The Boss, de Vénus de la Minière et de Justin des Tunnels. Les concurrents sont à la mort sur les tournants final. Maintenant, regroupement général en tête avec Midnight Fer qui a supporté le poids de la course, qui va tenter de se relancer. It's a Boy est toujours bien calé dans son sillage et va être décalé à l'extérieur par son partenaire à l'entrée de la phase finale, juste devant Brunelogue Corne, Jubilé des Vallons et Rose Del Black Lily qui n'a pas dit son dernier mot, qui tente de se relancer. Là, le tirage en tête avec It's a Boy à l'extérieur qui prend l'avantage. It's a Boy qui va s'imposer dans cette épreuve, juste devant Midnight Fer. On est troisième avec Brunelogue Corne, on est quatrième avec Rose Del Black Lily.